qui nous écoute actuellement. Suis le pas de... Suis le pas de mon oncle. Wouh! Hey, salut à vous! On va faire le vote pour le plaisir franco dans un instant et j'ai invité l'homme de la situation. Le gars du vendredi. Ça dépend de la situation. On vous propose nos choix de chansons pour lancer en beauté cette fin de semaine-là. Ouais. Ça s'en vient dans à peu près 1 minute 30. On continue à danser comme ça. Oui, la maison, toi, t'es capable. On va à gauche. On va à droite. Dans 30 secondes. On va se calmer. C'est vendredi et qu'à chaque semaine, on fait ça en direct sur Facebook. C'est le cas aujourd'hui. Salutations aux gens qui sont avec nous sur la page de Plaisir 105.3. Et en plus, chose spéciale que je ne fais pas souvent, j'ai invité quelqu'un en studio. Ah, vous avez reconnu sa voix. Je suis comblé. on est comme dans l'ambiance estivale parce qu'on dansait un petit peu oui, tantôt. En direct sur Facebook. Vous allez pouvoir voir ça. Oui. Magnifique. Sylvain Caron que j'ai traîné avec moi en studio, mais il était très d'accord avec ça. Ah, c'est, je sais pas, hein? Ben oui, ça c'est. C'est un plaisir. C'est toujours plaisant. C'est la première fois midi. D'abord ben oui. Que je t'invite comme ça. Sylvain. Alors, on va vous proposer nos choix de plaisir franco d'aujourd'hui et évidemment, la fin de semaine s'en vient. On veut lancer ça en grand, en gros. Ouais. Et étant donné que c'est un petit peu gris, là, présentement dehors, ça prend une bonne dose de soleil. Et... Oh ouais, j'ai mon choix ensoleillé, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Bon, aussi, d'ailleurs, ça sent le soleil, nos deux chansons aujourd'hui. Non, on se bat pour à la vie et la mort. Oui, c'est certain, certain. Surtout à la vie, surtout au week-end. Et je vous rappelle que c'est votre dernière chance de vous inscrire pour gagner l'album de Final State que je fais tirer d'ici midi. Mm. Et je vous rappelle, si vous êtes sur la page Facebook de Plaisir 105.3, je vous salue encore, mais il y a des cadeaux exclusivement pour vous autres. Alors, si vous ne l'êtes pas... Prenez le téléphone, prenez peut-être l'ordinateur, venez nous rejoindre sur la page de Plaisir 105.3. Et je vous présenterai ça, ces cadeaux-là, tout de suite après les deux chansons. Alors d'abord, on va découvrir la chanson de Sylvain. Peut-être que tu voudrais nous mettre un peu dans l'ambiance avant que je la présente. Bien certainement. Donc, c'est la pièce d'Olivier Dion qui connaît un succès en Europe actuellement, « Si j'étais son soleil ». J'avoue. C'est une victoire assurée. J'avoue que c'est vraiment bon. Et non seulement ça, mais également à chaque fois que j'ai placé Olivier Dion avec cette chanson-là dans Plaisir Franco, ça a été une victoire. Par contre, cette semaine, Olivier était là, mais il a perdu face à Étienne Drapeau. Mais c'était une autre chanson. Oui, c'est fini les défaites. C'est ça, c'est fini. On prend le chemin de la victoire. Et là, je vous propose mon choix de plaisir franco. Ça aussi, ça déborde de soleil, de vitamine D particulièrement. Vous allez aimer ça. Et ça aussi, ça risque de vous faire danser. Oublie tout le rêve de part, mais regarde autour de toi. Oh, l'eau, là. Oublie tout le rêve de part, mais regarde autour de toi. À vous, Sylvain. J'avoue. C'est bon, ça. J'avoue. Aussi. Je vais travailler très fort. Et ça donne le goût d'être au mois de juillet. Oui. Avec un bon 25-30 degrés. Oui, tranquillement. Si tu continues comme ça, on va peut-être être capable de faire sortir quelques rayons. Il y en a qui semblent passer à travers notre store. Ouais. Ça se rend en studio, ça, c'est sûr. J'espère que ça se rend chez vous, à la maison, dans l'auto, au travail, peut-être.
Là, vous avez simplement à voter pour Rush. La chanson de Sylvain. Oui. Olivier Dion, Si j'étais son soleil. Fortement recommandé. Ou encore la mienne, Alan Théo, avec Lola. Je sais que vous avez chanté les deux chansons, c'est certain. Sûr et certain. Vous les avez dansées comme nous, ça aussi, c'est certain. Alors, vous en choisissez une, on se l'offre d'ici midi. Okay. Et restez là si vous êtes sur la page Facebook de Plaisir, j'ai des petits cadeaux exclusivement pour vous. Donc là, vous allez pouvoir constater à quel point cette demoiselle-là travaille comme une damnée pour pouvoir répondre au téléphone, vous parler en même temps. C'est pour ça que je fais comme, on dirait, du remplissage. Mais non! Ce sera pas long. Elle va vous présenter tantôt les cadeaux qui sont exclusifs aux gens qui nous suivent actuellement. Je ne sais pas s'il y a des messages. Je peux m'approcher? Oui, on s'approche. On va aller. On va aller voir s'il y a des messages. Ah, ben oui, là, il y a des pièces qui entrent. Donc, Emily Dalton, la numéro 2. Diane Bouchard, la numéro 1. Et là, ça défile, évidemment. Salut! Merci de voter. On est une belle gang. Honnêtement, je pense qu'on n'a jamais été autant dans un plaisir franco. Ça va être à cause de tes danses. Pas certain. Alors... il y a Robert Ouellet, numéro 1. Salut, Robert! Salut, Robert! Là, je vous présente nos choix. Nos cadeaux pour vous autres qui êtes sur la page Facebook de Plaisir 105.3 en direct. Alors d'abord, le livre « Savais-tu que? » sur les raies. Tu sais, on a tous des questions sur les raies, évidemment. Ah. Sylvain? Oui. Pour vos enfants, hein, ça fait plaisir. C'est une super belle collection. Regardez, j'en ai d'autres. Il y a « Savais-tu que? » spécial des mères, avec la fête des mères qui s'en vient. C'est cute. Ça peut être intéressant pour vos cocos, vos cocottes. Oui. On a aussi, finalement, le dernier cadeau aujourd'hui. On fait plaisir à vos enfants, hein, cette semaine. Le livre « Les intrépides ». Alors, c'est simple. Vous votez ici. Chanson de Sylvain. Mais là, je suis en train de perdre le fil. C'est trop populaire. C'est correct. On aime ça comme ça. Oui. Alors, « Si j'étais son soleil », Olivier Dion. Oui. Ça, c'est la numéro 1, ça? C'est la numéro 1, oui. Mais celle qui va gagner, c'est Alan Théo avec Lola. Vous votez ici. Facile. Et là, je vais fermer le live parce qu'on a des appels qui commencent à rentrer. Je vais aller répondre au téléphone. Bye bye, tout le monde. Bonne fin de semaine en même temps. Bonne fin de semaine. Bye bye.